Départ imminent. Départ validé pour cette cinquième épreuve de prix de preuve avec des concurrents âgés de 5 ans, des concurrents qui vont participer sur la distance de 3000 mètres. On est bien parti avec Diva de Fromentel, le numéro 7 avec le numéro 6, Diamant d'Idef qui est à l'extérieur, tout à l'extérieur. Le numéro 3, Dragon du Guet qui vient se placer maintenant en deuxième position. Un peu plus loin, nous avons Django Dubanet, le numéro 12, avec également le numéro 2, Dream de Livery qui vient ensuite. Le 5 a été disqualifié, le numéro 5 est disqualifié. Les concurrents qui entament le tournant après les tribunes avec à l'extérieur Dragon du Guet, le numéro 3 qui est venu se placer en tête, le 4 a été disqualifié, le numéro 4 est disqualifié. On va se diriger à présent vers la ligne opposée avec Dragon du Guet, le numéro 3 qui est venu se placer aux avant-postes et qui s'est rabattu le long de la corde. À l'extérieur, Django du Banet, le numéro 12 qui est venu se placer maintenant en tête du peloton. Ensuite, nous avons Diamant d'Idef, le numéro 6 qui est troisième le long de la corde. Le 11 a été disqualifié, le numéro 11 est disqualifié. Les concurrents qui sont maintenant eh bien, mis à ligne opposée avec le numéro 12, Django du Banet qui est seul en tête. Avec à l'extérieur le numéro 16, Douchka Dormois, qui est venu se placer maintenant en tête du peloton. Un peu plus loin, nous avons Dragon du Guet, le numéro 3, qui se retrouve en troisième position à l'extérieur, avec Diamant d'Idef, le numéro 6, qui vient ensuite le long de la corde, et le numéro 9, Destin de Star, qui est à l'extérieur en cinquième position pour entamer à présent le tournant. À l'extérieur, Drop Goal, le numéro 15, s'est rapproché, se plaçant maintenant eh bien, en sixième position pour entamer le tournant, aux côtés également du numéro 6, Diamant d'Idef. Les concurrents qui sont donc dans le tournant. On assiste à un jeu de relais en tête avec Dragon du Guet, le numéro 3, qui reprend eh bien, le meilleur. Ensuite, nous avons Douchka Dormois, le numéro 16, qui vient ensuite en deuxième position. Destin de Star, le numéro 9, venant ensuite en troisième, quatrième position, et situé plutôt à l'extérieur, en compagnie également de Django Dubanet, le numéro 12, qui est côté corne. Ensuite, nous avons Drop Goal, le 15, qui est à l'extérieur avec le 6, Diamant d'Idef, qui est côté corde. Et on se rapproche à l'extérieur avec Derby Madric, le numéro 14, qui passe le peloton en revue et vient se placer en cinquième position et troisième épaisseur. Les concurrents qui vont entamer eh bien, le tournant après les tribunes avec Douchka Dormois, le numéro 16, qui reprend le meilleur le long de la corde. Dragon du Guet, le numéro 3, venant ensuite en compagnie du numéro 12, Django de Benet, qui eh bien, se place maintenant en deuxième position. Ensuite, nous avons le 9, Destin de Star, avec le 14, Derby Madrid, qui est à l'extérieur. Le 3 a été disqualifié. Le numéro 3 est disqualifié. Les concurrents qui vont entamer à présent la ligne opposée avec Douchka Dormois, le numéro 16 qui est côté corde, avec à l'extérieur Derby Madric, le numéro 14 qui est venu se placer à ses côtés. Ensuite, nous retrouvons Django Dubanet, le numéro 12 qui est en troisième position le long de la corde, avec Destin de Star, le 9 qui est quatrième à l'extérieur, suivi par Drop Goal, le numéro 15 qui vient ensuite en cinquième position. Et un peu plus loin, nous retrouvons Donostia qui porte le numéro 8 qui est le long de la corde, suivi également par Diamant d'Idef, le numéro 6. Les concurrents qui sont maintenant au bout de la ligne opposée qui entament à présent le tournant, avec à présent Derby Madric, le numéro 14, qui est seul en tête devant le numéro 9, Destin de Star, qui vient ensuite en deuxième position. Le 12, Django Dubanet, est en troisième position. Un peu plus loin, nous avons Douchka Dormois, le numéro 16, qui est bien attaqué par le numéro 8, Donostia, le numéro 8, qui s'est rapproché, se plaçant en quatrième position. On tente de se rapprocher également avec Drop Goal, le numéro 15. On vient de sortir du tournant. Il reste maintenant 200 mètres à parcourir avec Derby Madric, le numéro 14, qui est seul en tête, alors qu'on se déporte à l'extérieur avec Destin de Star pour essayer d'attaquer. On va attaquer également avec Django Dubanet, le numéro 12 en pleine piste. Ensuite, nous avons Donostia, le numéro 8 qui est quatrième le long de la corde, moins de 50 mètres, avec le 14, Derby Madric, qui va remporter cette épreuve. Ensuite, ce sera serré entre le 9, Destin de Star, et le numéro 12, Django Dubanet, à l'extérieur. Ensuite, nous aurons le 8, Donostia, qui terminera quatrième.